Ah, ah. Yeah.
Ah, Mystios, il faut que tu m'aides. Je suis obligé? Tu as envie de remplir ta bourse? Accorde-moi un instant. Je t'écoute. Je suis un exilé d'Athènes, même si mon apparence n'en est qu'un piètre témoignage. Ton argent est un chant de sirène pour tous les brigands de Kefalonia. Tu ne le garderas pas longtemps. Mes drachmes n'iront nulle part, en dehors d'une portion que tu toucheras si tu acceptes ce que je te propose. Quel est ton problème? C'est mon frère, Ornéos. Il a été enlevé par des brigands. Ils nous ont attaqués quand nous avons débarqué. Ils ont dû sentir notre richesse de loin. J'ai pu m'enfuir, mais il est enfermé dans une cage, comme une bête, sur le quai. Et tu veux que j'aille le libérer? Ramène-le-moi indemne, et je saurai te récompenser. Je vais libérer ton frère, contre de l'argent. Oui, oui, bien sûr. La drachme est la seule langue que vous compreniez, vous les Kefaloniens. Je ne suis pas Kefalonien. Laissez-moi sortir. Je ne suis pas un animal. Me voilà là. Quand je pense qu'ils ont posé leurs mains crasseuses sur moi. Et toi, tiens, une drachme pour te remercier. Mais tu aurais pu arriver plus tôt. C'est ton frère qui m'envoie. Ah, je savais qu'il me libérerait. Et il n'a pas tardé à se trouver un homme de main. Sache une chose, c'est moi qui t'ai libéré. Et si ton frère n'avait pas d'argent, je te jetterais volontiers au cochon. Maintenant partons. Reste près de moi et tais-toi. Ah. Ornéos, nous voilà réunis. Je ne sais pas où tu trouves ces canailles, mon frère, mais ces gens connaissent leur métier. C'est très touchant. Mais vous me devez de l'argent, maintenant. Si tu crois que je ne t'ai pas vu te servir dans l'un de mes coffres... Dis-toi que c'est justice, et c'est le prix de ton orgueil, Malaka. Oh, il t'a rendu à moi, Ornéos. Laisse-le partir. Très vite, et très loin.
Un bien beau bateau, Télémenès. Alexios. C'est vrai. Il est prêt à prendre la mer pour le bon capitaine. Et au bon prix. J'ai vraiment besoin d'un bateau, Télémenès. Tous ceux de Kefalonia veulent un bateau ou un passage. C'est un vrai trou à rats ici. Oh, ça je le sais. Et même si tu avais un bateau, qui ramerait? Toi? Je donnerais bien une de mes bourses pour voir ça. On est à Kefalonia ici. Les affamés et les miséreux prêts à travailler gratuitement pour pouvoir quitter cette île, ça ne manque pas. Les eaux sont dangereuses. Enfin, plus que d'habitude. Ce serait du suicide, ton expédition. Tu n'es pas très encourageant, Télémenès. Oh, et sans vouloir en rajouter, on raconte que le Cyclope en a après toi et Marcos. Ce ne sont que des rumeurs. Ne crois pas tout ce que tu entends. Les rumeurs disent aussi que son navire est dans la baie de Kleptus. Son navire, tu dis? Il va falloir que je fasse un tour à Kleptus. Fais attention. Ce borgne n'est rien d'autre qu'une brute. Je pourrais à la fois prendre son bateau et m'occuper du Cyclope. D'une pierre, deux coups. Le Cyclope. On va pouvoir s'expliquer. C'était un village agréable. Mais c'est devenu l'antre du crime et de l'anarchie.
Dieu m'en soit témoin, je le jure. Lesquels de Dieu? Quelle différence ça peut faire? Tous les dieux, je le jure. Laisse-moi! De toute ma vie, je n'ai jamais entendu un homme parler autant des dieux. Laisse-le partir. Personne sur cette île n'a le droit de prononcer ce mot! Il a dit Cyclope? Il t'a fait de la peine. Je n'aime pas qu'on m'appelle comme ça! Je ne l'ai pas. Pourtant, tu es gros. Enfin, grand et puissant. Et il faut reconnaître que tu n'as qu'un œil. Mon œil. Allez, rends-le-moi. Rends-le-moi et je ne tuerai pas Marcos pour t'avoir dit de le voler! Alors maintenant, rends-le-moi! Tu le veux? Va le chercher. Tu ne survivras pas à ça! Tu vas me supplier de te tuer! Mieux vaut ne pas traîner ici. Même les chiens comme lui ont des amis sur Palonia. Par Zeus, ces brigands de Kefalonia ne plaisantent pas. Heureusement que tu es de mon côté. Ils ont l'air d'avoir peur de toi. Je ne sais pas comment te remercier. Après avoir passé presque toute ma vie en mer, n'aurais pas aimé me noyer dans une jarre. Oh, j'en oublie mes bonnes manières. Barnabas, capitaine de la Drestia. Eh bien, Barnabas, ravi de te rencontrer. Je m'appelle Alexios, je suis Mystios. Oh, je suis sûr que tu es bien plus que ça. Qu'est-ce que tu veux dire ? Quand on m'a plongé la tête sous l'eau, j'ai prié les dieux. Et quand j'en suis ressorti, tu étais là. Tout Kefalonia a entendu tes prières. J'étais plus près que les autres, c'est tout. Et tu te bats comme Achille, avec l'aigle de Zeus qui tournoie autour de toi. Alors comme ça, tu as un navire? Ben, je veux. Il n'est pas dans mes projets de finir ma vie ici. Et où est-il? Grâce à toi, il est toujours au port de Samy, où je l'ai laissé. Puisque j'ai sauvé ton navire et ta vie, je crois que tu me dois un service. Tu n'es pas Mystios pour rien. Tu sais qui tu me rappelles? Moi. Enfin, il y a longtemps, bien sûr, avant que je ne trouve mon vrai but et que je perde un œil. Ne change pas de sujet. Ah oui. Oui, excuse-moi. Tu as raison, je te dois la vie. Que peut faire l'humble Barnabas pour le puissant Alexios? J'ai besoin d'un navire et d'un équipage. Évidemment. Alors, c'est oui? Mon navire, mon équipage et moi,
sommes à ton service. Toi, tu n'es vraiment pas d'ici. Grand Dieu, non! Et j'en remercie l'Olympe. Allez, viens avec moi voir la Drestia. Avance! Quand tu veux, capitaine. Attends. Attends-moi, Alexios. J'ai préparé mes affaires. Tu veux vraiment venir? Si tu t'en vas, je m'en vais. Tu as passé toute ta vie sur Kefalonia. Tu veux quitter ton foyer? Oui, pour rester avec toi tous les jours. Tu ne peux pas venir avec moi. Je dois y aller seul. Mais qui est-ce qui va te tenir compagnie? Je m'en sortirai. Si tu ne veux pas de moi, emmène Kara. Kara? C'est mon aigle. Et mon amie. C'est Mère qui me l'a donnée. Elle deviendra ton amie. Et ce sera comme si j'étais là. Comme ça, tu penseras à moi. Merci, Fouibé. Et puis, j'aurai Kina avec qui jouer, puisque tu l'as sauvée. Ménage-la. La fièvre risque de l'avoir affaiblie. Mais tu dois me faire la promesse qu'on se reverra. Je te le promets. On se reverra, c'est certain. D'ici là, tâche d'éviter les ennuis. Oui. Ne t'en fais pas. Bon, tu peux y aller maintenant. Hé, hey, Alexios! Tu quittes Kefalonia sans dire au revoir à ton cher Marcos? Dis-moi que ce n'est pas vrai! Eh bien, tu es là, non? Alors, ce n'est pas vrai. Au revoir, Marcos. Toutes ces années à travailler ensemble! Comment te remplacer? Je veux dire, je vais sûrement le faire, mais quand même, ce n'est pas facile. Bon, allez, viens dans mes bras. D'accord, approche. Allez, vis ta vie. Mais tu vas me manquer, Alexios. Merci, Marcos. Tu me manqueras aussi. Et toi, que te réserve l'avenir? Le vin, bien sûr. Enfin, sauf si les vignes se mettent à dépérir. Mais je suis toujours prêt pour une autre aventure. À propos d'aventure... J'ai un travail pour toi, cher Foibé. Une aventure? Oh oui! Elle marche déjà sur tes traces, n'est-ce pas, mon ami? Prêt à prendre le large? Prépare ton navire. Il est temps de partir. Bien! Il ne faut jamais faire attendre la mer. Allons-y. Alors, où est-ce qu'on va? Vers quel endroit de ce vaste et splendide monde veut aller le puissant Alexios? Mégaris. Mégaris. Mais c'est la guerre là-bas.
On m'a chargé de tuer un général. Ah, lequel? On l'appelle le loup. Le loup? On veut tuer Nikolaos de Sparte? Nikolaos de Sparte? L'oracle a parlé! Pour éviter la chute de Sparte, cet enfant doit périr! Tu dois empêcher ça! Pitié! Elle ne fera aucun mal! Elle nous aidera! Elle nous guidera! Silence! Emmène-moi en Mégaris. Vite. Je ne comprends pas. De tous les lieux baignés par Hélios, pourquoi risquer notre peau là-bas? Parce que le loup de Sparte, c'est mon père. Rien ne vaut une bonne brise. On a toujours l'impression que le pont bouge comme ça. Je connais le moyen idéal pour que tu attrapes le pied marin. Ah ? Et qu'est-ce que c'est ? Une bonne nouvelle. Pendant que le Cyclope s'occupait de moi, ces pirates ont volé ma cargaison. Mais maintenant, je connais leur navire et je sais où ils vont. On va leur reprendre tout ça ? D'accord. Ce sera une bonne occasion de savoir ce que valent ton navire et ton équipage. Allez ! Mettons-nous en route! Voyons! Allez, plus vite! Préparez vos arcs! Les lances! Thank you.
scélérat. Allez, râleur. Voilà. Sortez ce bord. Envoyez les lampes. Archer, soyez prêts. J'ai besoin d'archers. Les lances. À vos flèches. Nous sommes à pleine allure. Lors du combat contre ces pirates. Les mers sont plus dangereuses. Maintenant qu'Athènes et Sparte sont à couteau tiré. Il nous faut des recrues pour renforcer l'équipage. Je sais par où commencer. Le meilleur archer que je connaisse. Il nous serait très utile. Et on peut le rencontrer ? Eh bien, il va falloir que tu le persuades. Qu'est-ce que tu veux dire ? Fais-le monter à bord, et moi je lui parlerai. Quelques drachmes faciliteront les choses. Donc, si j'ai bien compris, il faut que je l'assomme. Non, non. Enfin, peut-être l'amadouer un peu. Ensuite, tu l'amènes à bord afin qu'on puisse discuter. Tout se passera bien, je t'assure. Thank you.